Salut les escrocs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre carrière manager avec les Wolves. Avant qu'on continue cette carrière, j'ai regardé vos commentaires. On ne va pas bouger la difficulté, on va rester en légende parce que c'est vrai qu'ultime, quand j'y repense au niveau ultime que j'ai eu, enfin quand on avait mis le niveau ultime, c'était très 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 compliqué. Après, on a quand même pris 7 buts. Non, 3, 4, 5, 5 buts, pardon. 5 buts. On a quand même pris 5 buts ouais, contre les Young Boys, club suisse. Donc, c'est pas parce qu'on a mis un 5-3 au match aller que voilà, on a fait 2-2 au match retour. Donc, franchement, je pense pas augmenter la difficulté, sachant que je regarde juste vite fait les matchs 2-1, 1 partout. On n'a pas non plus écrasé. 5-0, 4-0, ok. 4-1 contre City, là, on a pris une valise. La défaite contre Manchester United en coupe. Victoire 2-1 à l'aller. Défaite 2-1. Et on a perdu au pénalty, c'est vrai. On a perdu au pénalty. Donc voilà. Ouais, non, je pense qu'on va rester dans cette difficulté-là. En plus de ça, on n'est même pas premier au classement. Donc au final, ça ne sert pas à grand-chose. Et la deuxième chose, c'est concernant notre grosse pépite, Jadon Sancho. Je vais arrêter de dire Sancho. Effectivement, il faut que je prononce bien. Et ça va venir avec le temps, je pense. Mais c'est vrai que je ne fais pas attention. Et du coup, je vais essayer de bien le prononcer. Du coup, là, on est bon. On a un match contre Porto, match aller et retour. On a le match en coupe contre Newcastle en Emirates FA Cup. Donc, ça devrait être le quatrième, cinquième tour. Cinquième tour, je crois. Je sais plus. Sixième tour contre Newcastle. Il reste quand même Manchester City, Liverpool, Chelsea. Eux, ils appellent ça sixième tour, mais c'est un quart de finale, en fait. Ouais, bon, bref, on verra bien. Et du coup, on va simuler ce match et on va pouvoir jouer nos deux matchs. Match aller, match retour. Là, c'est les 16e de finale, je crois. Ou 8e, non, 8e. 8e de finale d'Europa League. Porto contre les Wolves, la Gantoise, Leipzig, la Lazio contre Benfica, Manchester United, Ajax, Hoffenheim contre le Werder de Brême, Arsenal, Betis, Valence, Chelsea, Electra Frankfurt contre le Milan AC. Donc nous, on va se concentrer sur notre match. Il reste quand même pas mal de grosses équipes, ça va être intéressant à voir. On se concentre sur notre premier match déjà contre Porto, match aller. Je ne sais pas si on est à domicile, on est à l'extérieur. Donc là, on va faire comme en 16e de finale. On va essayer de marquer un maximum de buts parce que c'est le match à l'extérieur qui est très important. Timo, qui est blessé. Pensez à ça, mais Neuer, il a 86 de général. Il a quand même un salaire à plus de 100K. Est-ce qu'on pourrait pas négocier son contrat et lui faire baisser un peu son salaire? Ça serait pas mal. Ce n'est pas vraiment ce que mon client espérait, mais il aime ce club et il acceptera un salaire de 80 000. Du coup, on a réussi à lui faire baisser de 20 000 euros son salaire. Et il a prolongé de 3 ans, donc c'est cool pour Neuer. On est bon, on est parti pour ce match contre Porto. À l'extérieur, ça va pas être facile, je pense. Il va falloir marquer un maximum de buts, du coup, par contre, avant de lancer le match. Timo qui est blessé. Jota, tu prends la pointe. Costa, tu vas être remplaçant. Ici, du coup, on change juste Timo qui passe sur le banc vu qu'il est blessé. Comme Florentino, ils reviennent tous les deux. Ils sont en pleine forme. Enfin, ils sont pas fatigués, mais il leur reste quelques jours encore de convalescence. Donc, si on les fait jouer, ce sera peut-être quelques minutes en fin de match. Mais on va essayer de pas prendre de risques. On est parti pour ce gros match. 16e de finale d'Europa League. Match aller. Contre Porto, avec Jadon Sancho, qui est là. J'espère que je le prononce bien cette fois-ci. Oh, mais stop les contre-favores, voilà. 12 minutes de jeu. On n'est pas dangereux, eux non plus. Oh là là, comment s'est passé ça? Oh, la main ferme. Oh, la main ferme de Neuer. Allez, la contre-attaque, elle est là. Oh là là, lui, il est trop fort. Il est trop fort, je vous dis. Ah ! Ça part. Ça part. Il y a Jadon qui arrive. Allez, frérot. Jadon Sancho. Normalement, je l'ai bien prononcé.
Bah voilà, grosse contre-attaque, il se retrouve seul au deuxième poteau et puis bah il fusille le gardien, on marque ce premier but. C'est un match tendu hein, mine de rien, on marque sur contre-attaque, on commence à être dominé, alors c'est pas une grosse domination mais il commence à être de plus en plus dangereux le FC Porto. Non mais j'étais dessus. Oh, super Gomez. Voilà, je vais courir en bas parce que je sens qu'il va la remettre. On a bloqué toutes les passes, on a bloqué toutes les passes, c'est bien joué, c'est bien défendu ça. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, dans l'axe. Meilleur hors-jeu. Mi-temps, on mène 1-0, match assez serré. Alex Téllez qui est là, le capitaine. Pour l'instant, faut qu'on continue comme ça, on tient bien en défense, mais on commençait quand même un peu à subir en deuxième période, en fin de première période. Allez les gars, allez, 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 Costa défend. Pop. Heureusement que c'est tombé sur... La patate. Oh, le changement d'aile comme ça là. Et ouais, mais on est présent là, franchement là depuis quelques minutes. Au physique, on répond présent. Ouais, Téllez, il commence à me saouler, lui. Hein. Oh là là, je sais même pas comment il a fait pour se retourner là. Il était au milieu de tout le monde. Allez, faut qu'on reste concentré. Il y a que 1-0, même si on a mis une barre, même si on domine. Pour l'instant, ça part. Allez, faut me faire croire. Voilà, faut me faire croire qu'il va te suivre. Allez, l'extérieur du pied. Ouais, il est important celui-là, le deuxième but, parce que franchement on a dominé, après franchement j'ai senti que Porto pouvait revenir à un partout, ils avaient quelques occasions, donc ce deuxième but il fait vraiment plaisir. Et doublé pour Jadon Sancho. Et il reste 7 minutes, je sors du coup le buteur et Dani Olmo pour faire rentrer Timo qui va jouer un petit peu. Et Florentino aussi, ils vont jouer quelques minutes, comme ça va leur faire du bien je pense. Oula, c'est passé comment ça? Pourquoi je me jette? Non. Bon, c'est pas un mauvais score en soi, mais bon, ça fait toujours chier d'encaisser un but. Allez. Ça part. Timo. Oh là là, il vient à peine de rentrer. En fait, Timo, ce qu'il y a, c'est qu'il est trop rapide. Il fait 4 mètres. Bon, après, là, c'est en toute fin de match, donc lui, il est super frais. Et il tombe sur des défenseurs fatigués qui ont 90 minutes dans les jambes. Mais lui, il fait un appel et il part à une vitesse folle. Et puis, bon, il lâche une belle praline. Donc, 3-1, ça fait plaisir. Victoire, 3-1. Heureusement, on marque dans les arrêts de jeu. Donc, c'est parfait. Belle victoire. En plus de ça, c'est à l'extérieur. Donc, on marque 3 buts. Ils ont été dangereux. Ils ont eu la possession. Ça, c'est clair, net et précis. Ils ont été dangereux en fin de première période. Après, deuxième période, je trouve qu'on a un peu mieux maîtrisé. Même s'ils ont planté ce petit but. Donc, ouais, le petit 3-1 qui fait plaisir. Bah, on avance tranquillement vers notre match de coupe. Sixième tour contre Newcastle. Timo est revenu de blessure. Il peut jouer, donc je pense qu'on va le faire jouer. Hop. Je vais juste mettre... Ouais, on va regarder un petit peu ce qu'on change, mais... Et puis on va voir ce que ça donne contre Newcastle. Match à l'extérieur, du coup, Rofo dans les cages, Gumni, Bennett, John. Défaite 2-1, Gibbs White qui plante. Timo qui a joué tout le match, mais bon, ça suffit pas. On est éliminé de la FA Cup contre Newcastle. C'est vraiment dommage. Je crois qu'on a plus aucune coupe à jouer, je crois. Ouais, on a plus de coupe. On a l'Europa League et le championnat, c'est tout. C'est tout. Va falloir jouer l'Europa League à fond. Vraiment, va falloir jouer l'Europa League à fond. Dans l'équipe 1, on va remettre notre petit Florentino titulaire. Qui est très très bon à la récupération. Mais Dedonker a vraiment vraiment fait le taf. Il était vraiment très bon aussi. On a les entraînements à faire là. En espérant avoir de bonnes notes. Le petit A pour Jadon Sancho. Traoré, Youssef Attal, le petit A pour Rofo aussi, c'est parfait. On est bon. Bon, joueur appelé en sélection, ok. Là, on a notre match retour contre Porto.
Clairement, on n'a plus que l'Europa League à jouer. Donc, va vraiment, vraiment falloir se concentrer et aller chercher cette victoire. Juste regarder un truc, là, le calendrier après. Ça dit quoi? On n'a que 2 jours de repos pour Brighton. Ouais, ça va être chaud. On est parti avec l'équipe 1 pour ce match contre Porto à domicile. On a gagné 3-1 à l'aller, donc j'espère que ça va le faire. On va rester en jaune comme tout à l'heure. L'équipe en pleine forme, comme on a fait tourner, il y a juste Florentino qui est un petit peu fatigué, mais ça va, il enchaîne, donc c'est cool pour lui. Et là, c'est la grosse équipe, parce que Timo est revenu dans l'équipe 1, donc c'est parti pour ce match retour contre Porto. Allez les gars, on est chez nous, on a gagné 3-1 à l'aller, ça devrait passer en tout cas, je l'espère. Ça va être chaud. Allez les gars, oh le soleil. Oh là 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 là. Net avantage à l'équipe. Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Oh non mais là j'abuse aussi moi, j'abuse. Voilà Florentino. Gardien. Oula New York, qu'est-ce que tu me fais garçon? Gardien, pas de boulette cette fois-ci. Oh là 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 là, une passe. Bien joué Neuer. En une passe, ça transperce toute la défense. Ça a été magnifique. Pas de faute. Comment ça passe ça? Les gars. Oh là 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 là, voilà. Allez. Là, il y a une contre-attaque. Par contre, faut qu'il soit accompagné peut-être. Non, il a besoin de personne. Il revient de blessure, Florentino. Ouais, mais non, il n'y a pas la frappe. J'aurais vraiment dû lâcher ma balle. Allez, ça joue vers l'avant. Il y a faute, bien sûr, bien sûr. Ben Neves, il tire. C'est un bon tireur, hein, normalement. Allez, ça peut rentrer, ça. Ruben Neves sur coup franc, il vient débloquer le match. C'était assez tendu, j'avoue qu'on était un petit peu dominé par Porto. Mais joli coup franc, ça rentre et du coup, ça débloque ce match 1-0. Oh là 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 là, il est présent, Florentino. Non, mais... Par contre, sa qualité de passe, je vais l'entraîner. Je vais vraiment l'entraîner au niveau des passes. La récupération de balle, voilà. Oh là, il est trop fort. Youssef qui monte. Oh là là, le travail de Youssef qui paye pas. Oh là là, Sancho lance Timo. Pourquoi il a pas fait l'appel croisé? C'est pas grave, y'a Djogo. Y'a Jota. Fou. Ah, il est un peu gêné, mais bon, là, il rate le cadre de peu. C'était une roquette, hein. C'était une grosse roquette. Toujours 1-0. Florentino. Oh là là, il est énorme. Je le trouve vraiment monstrueux. Mi-temps. 1-0 pour nous à la mi-temps. Je pense que c'est largement mérité. On a quand même été bien plus dangereux que. Ça fait 4-1 sur le cumul des deux matchs. On est confortable, on est bien là. Oh là 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 là, c'est une blague. Non, mais voilà, mais c'est moche. La faute, elle est même pas méritée. Je me prends un but sur une faute où il y a pas faute quoi. Oh là 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 là, voilà. Allez, repique dans l'axe là. Oh là 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 là, j'ai voulu aller au bout avec Djogo. What? Allez les gars. Non, 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 non. Centre au deuxième poteau. C'est Djogo qui est en défense. Et puis, bah, il se fait manger. Je suis juste dégoûté. Ils reviennent à 2-1. Il n'y a plus qu'un but d'avance, les gars. Il n'y a plus qu'un but d'avance, là, faut gérer. Lâche-moi, mon gars. Il est hors-jeu. Je te jure qu'il est hors-jeu. Oh mais non! Oh là 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 là, ça va vite! Gardien, retourne dans tes cages. Non, rien vu. Oh là là, on panique. Là, ça y est, on panique. Maintenant qu'il n'y a plus qu'un... Non! Oui, bien joué, Presnel. Tranquille. Voilà, allez. Elle est belle. Changement d'aile. Oh, c'est fort, c'est un peu trop fort, dommage. Oh là 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 là. Gardien, sort. Bien joué Neuer.
Retourne dans tes cages par contre, hein. On est là, on est là, on est là, on est là. Bien joué. Oh, oh, je recule. T'es bloqué, mec, on t'a dit. Voilà, super ça. Perdez pas la balle ici. Pas de centre. Non. Oh, le pénalty, le pénalty qui va tout changer. Sifflé par l'arbitre. Allez, Neuer. Allez, frérot, s'il te plaît. Calme, merci Neuer. Oh là 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 là, voilà pourquoi je l'ai recruté. Ça parlait mal de lui, il est présent Neuer. Voilà, bien joué ça. Allez, ça part. Ah, oh, c'est dur. Ouh, fin du match. Défaite 2-1 à la maison. On perd, mais on est quand même qualifié. Et c'est pas passé loin. On a failli aller en prolongation avec avec ce penalty en toute fin de match arrêté par par Neuer. On se tire à 8. Oh, c'est bizarre, mais voilà. Dès qu'ils ont marqué le deuxième but, bah voilà, sentiment de peur et du coup l'équipe recule et du coup bah on recule inconsciemment et puis bah on est dominé. Mais ouais, ils s'en sortent bien parce que le penalty il était quand même généreux. Du coup 4-3 ça passe, le RBL qui passe aussi 4-1, la Lazio qui élimine Benfica 5-2, Manchester United 5-1 sur le cumul des deux matchs, le Milan AC qui passe, Chelsea éliminé par Valence, gros coup, Arsenal éliminé par le Betis Séville et Hoffenheim qui élimine le Werder de Brême. Ok, bah ça enlève déjà Arsenal et Chelsea. Ok, on est bon. Je suis très sensible au fait. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Que vous m'ayez laissé une chance dans l'équipe. Ok, bah tu me fais plaisir, tant mieux. J'ai fait jouer un seul match de coupe. Il lui en faut peu, lui. Tant mieux. Du coup, là, on a un match contre Brighton qui est là. Off pour le poste de sélectionneur. Non, merci. C'est gentil, les Suédois. Mais ça ne m'intéresse pas. Je vais remettre Neuer dans les cages. Il est trop important, je trouve. Hop. À la place de Rofo. Parce que c'est quand même un match de championnat. Et puis, on est parti pour ce match contre Brighton. J'ai juste remis Neuer dans les cages. Défaite, victoire. Et oh là là. Et Neuer qui se blesse. Oh là. Voilà, pire choix. Je me suis dit, je vais mettre Neuer parce qu'il est chaud en ce moment. Ça se passe bien. Et puis, Rofo, il a que 68 ou un truc comme ça de général. Et au final, bah, j'ai tout faux. Parce que je fais tourner tout sauf mon gardien. Et c'est lui qui se blesse. Alors, attention. Bonjour coach, j'apprécie vraiment. Ouais, continue comme ça. 7 jours, ça va. C'est une petite douleur à la hanche. On va dire que c'est une blessure. Voilà, c'est parce qu'il se fait vieux. Mais ça va. Du coup, dans l'équipe bis, hop, on va remettre Rofo. On entraîne Florentino au niveau des passes parce que c'est pas trop ça. La défense, par contre, c'est très très fort. Et on entraîne Dani Olmo qui est pas appelé avec l'équipe d'Espagne. Donc, bon, bah, tant mieux, il reste avec nous. Le petit A pour Rofo. Pour le reste, c'est un peu moyen. Hop, on simule. Ok, c'est pas fameux, encore une fois. Les entraînements, c'est bon. Là, maintenant, on a un match important contre les Spurs. Hop, on va remettre l'équipe 1 avec... c'est du classique. Il y a juste Neuer qui est un petit peu fatigué parce qu'il revient de blessure, mais c'est géré, vous inquiétez pas. Les Spurs sont derrière nous. On va pas pouvoir faire une bonne opération. Enfin si, c'est une bonne opération parce qu'on creuse l'écart. Mais ça aurait pu être un adversaire devant nous pour revenir. On a 9 points de retard. 9 points de retard sur City, ça commence à faire beaucoup. Vraiment, pour le titre, c'est pas compromis, hein. Loin de là, mais faut pas plus de 10 points. Faut vraiment qu'on commence à cravacher et qu'on revienne dans ce match. Ça passe par un bon résultat contre les Spurs. Let's go. Allez les gars, on a beau être à l'extérieur, on va chercher la victoire. On va rien lâcher. Il faut y croire au titre. Bien joué. Voilà, première faute, allez. Carton. Ouais, relève-toi, carton. Ah oui, bien sûr. Oula, bien joué. Oula, merde. Le mauvais contrôle et derrière, boum, frappe pied gauche. C'est n'importe quoi. Dele Alli qui met une magnifique frappe. On se retrouve mené 1-0. Voilà, bouge de...
Oh là 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 là. Aussi devenir le meilleur buteur de toute l'histoire de cette compétition. Ah, Timo qui peut redevenir le meilleur buteur de toute l'histoire de la compétition. Oh là 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 là. Allez, relance sur Jota. Non, c'est Timo, c'était Timo. Bien joué ça. Bien joué ça. Allez Timo, la vitesse. La finition. Le gardien, il a manqué d'envie, je suis désolé, moi Timo c'est un crève la dalle. Il y a été chercher son but, voilà, égalisation partout. Oh là là, David Alaba, ouais, stop. Oh là 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 là. Non, pas lui, pas lui, pas lui, pas de la tête. Ruben Neves, c'est pas le plus rapide. Voilà, une grosse faute. Laisse l'avantage aussi là. Et Sissoko qui continue de tout récupérer. Hors jeu, hors jeu, hors jeu. Oh, il était pas hors jeu. Ouais, c'est n'importe quoi. Je vous assure, c'est n'importe quoi là. Allez, Florentino. Arrache le maillot. Non, mais. Voilà. Mais tu fais quoi? Tu crois que tu vas arrêter Florentino? Alors là, si Dele Alli suit Jota. Putain, Dele Alli, il bombarde, hein. Ah oui, bah oui, il bombarde bien, ouais, en fauchant les gens. Il a rien maîtrisé. Carton rouge mérité. C'est mérité, il touche pas le ballon, il fauche totalement Diogo. Moi, ça m'est déjà arrivé de prendre des rouges comme ça, donc ça me fait plaisir. À charge maintenant pour le remplaçant de trouver le bon rythme dans ce match. Diogo qui tente sa chance. Oh, le coup franc. Mi-temps. Un partout à la mi-temps. Bon, on est dans une bonne posture parce que il y a carton rouge. Il joue à 10 contre 11 toute la deuxième période. Donc, en plus de ça, c'est le buteur Dele Alli. Donc maintenant, à nous de faire une bonne deuxième période et d'aller chercher les 3 points. Attention parce qu'ils sont capables de nous en mettre un même à 10 contre 11, les gars. Bien joué. Super, voilà. Allez, ça revient. Oh, 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 oh. Tu vas où, toi? Oh là là, oh là là, qu'est-ce que j'ai pas dit? Oh là 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 là, j'allais prendre une roquette de Tanguy. La frappe de Tanguy, mon gars. Elle doit pas passer très très loin. Il y a là-bas qui fait ça, comme ça, genre en mode y'a but, mais non, ça passe à côté. Oh là 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 là. Il y a pas de... L'agressivité, les gars. Bien joué, Neuer. Sérieux. Condition de ne pas être trop maladroit dans les 25 derniers mètres, bien sûr. Jadon Sancho. Jado. Non, la main ferme. Oh là 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 là. Allez, allez, dessus, 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 dessus. Oh, l'excellente parade du gardien. Il va se retourner. Allez, le pressing, les gars, le pressing. Voilà, le pressing, on vous a dit. Pied gauche, tranquille. On reprend l'avantage, les gars. 2-1, merci. Le pressing qui paye de Timo, qui donne à Jadon Sancho. Finition pied gauche, le gardien ne peut rien faire. Et du coup, ça fait 2-1. Oh, ça peut faire très mal. Non, mais ça peut faire mal, oui, mais à un moment aussi, comprenez-vous, les gars. Oh là là. Oh là là. Oh là 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 là. Il passe entre les deux et derrière, bah en fait, il a, le défenseur est allé au marquage de Dani Olmo. Dani Olmo qui a fait un appel croisé et du coup, bah, il a utilisé son appel pour aller défier le gardien et il marque son but. Fin du match. Victoire 3-1 contre les Spurs. Belle victoire. Bon, après, le carton rouge nous a bien aidé parce que c'est vrai que le petit Dele Alli, ici, il claque une belle frappe. Je contrôle, j'ai à peine le temps de contrôler avec Florentino. Et puis là derrière, boum, grosse frappe. Bon, derrière il s'est un petit peu énervé. Hop, là il nous a complètement fauché. Donc je pense que c'est un rouge largement mérité. Là par contre le gardien, je sais pas trop ce qu'il a voulu faire. Il a mis un peu de temps à récupérer la balle. Et du coup bah, ça profite à Timo qui marque ce but là. C'était équilibré au niveau des frappes. Mais au final c'est nous qui gagnons. Belle victoire, 3-1. Ok, on est bon. Super victoire, coach. Du coup, là, on est bon. On avance tranquillement vers notre match contre Norwich. Je vais juste assister à la conférence de presse et après, je pense qu'on va devoir faire un petit peu tourner. On a 4 jours de repos avant le match contre la Lazio, donc c'est bon. On va pouvoir laisser l'équipe une. On simule notre match.
Neuer, Youssef Attal, bon, comme d'habitude, c'est la grosse équipe, sont sur 3 défaites de suite. Normalement, on doit gagner ce match. 5-0, doublé de Tavares, notre latéral gauche. Belle victoire. Maintenant, on va pouvoir faire nos entraînements, se diriger tranquillement vers la fin de la vidéo. Le petit tir pour Florentino qui passe à 82 de général, ça c'est cool. Plus 6 pour Tavares qui est là. Du coup, 80 de général. Dani Olmo plus 5, 87. Adama Traoré plus 4. Il augmente petit à petit. Adama Traoré 82 de général pour lui. Il a 77 en finition, faut qu'il continue, qu'il lâche pas. Plus 4 aussi pour Youssef Attal, 85 de général. Pff, il augmente partout, Youssef. Vinagre, 77 plus 3. Chabani, on va le vendre, plus 3. Gibbs White, 77 plus 3. Kakré, plus 3. Timo, plus 2, 87 de général. On l'entraîne pas, hein, mais il continue d'augmenter un petit peu. 88 de finition. Diogo, 86 plus 2. Brahim, 79 plus 2. Il est vendu à l'Inter, si je dis pas de bêtises. Attendez, hop, je vais regarder. Rejoindra l'Inter, ouais, c'est ça. Ensuite, on a Ruben Neves, plus 2, 87 de général. Florentino, 82, plus 2 aussi. Gumni, plus 2, 75. Rofo, plus 2, 70. De Donker, plus 1, 82. Bastoni, 75. Presnel, 85. Costa, 76. Et puis, voilà, le petit Jetson Sancho qui est là. Normalement, je le prononce bien. En tout cas, dites-moi dans les commentaires. 88 de général, il augmente pas. 41 buts en 39 matchs pour Timo, 16 passes décisives, 13 passes D et 21 buts pour Diogo. Diogo énorme aussi. Beaucoup de passes D, beaucoup de buts, tout comme Timo. Dani Olmo, pareil, 19 buts, 19 passes D. Meilleur passeur pardon, du club. Jadon Sancho, qui est là, 10 buts, 2 passes décisives en 9 matchs. Énorme. Énorme, il n'y a rien à dire. Adama Traoré, 8 buts et 4 passes D en 36 matchs. 4 buts, 5 passes D. 4 buts, 6 passes D. 4 buts, 11 passes décisives quand même pour Ruben Neves. Et puis pour le reste, on s'en fiche un petit peu. Il y a quand même 7 passes D pour Youssef Attal. 4 pour De Donker. Et puis voilà. Voilà pour les stats. Je vais juste regarder maintenant le classement des buteurs. En Europa League, c'est Joe Gomez. Joe Gomez, n'importe quoi. Gomez, ça doit être l'ancien du Napoli. Qui a Valence, 14 buts pour lui. Nous, on n'est pas là, mais, en Première Ligue. 33 buts en 26 matchs. Il a 9 buts de plus que Harry Kane. Pour l'instant, il est très, très bien parti pour être le meilleur buteur. Donc, c'est parfait. Je vais juste regarder maintenant le classement de Première Ligue. Est-ce qu'on est quatrième? Combien de points de retard? Est-ce qu'on a toujours 9 points de retard? Non. Normalement, on a 6 points de retard sur City. Ça a dû baisser. Après, City est peut-être plus. Ouais, City, ils sont plus premiers. C'est ça. On a 6 points de retard. On revient à 6 points de City. 7 sur Liverpool. Donc, on fait quand même une bonne opération. On n'est pas loin. Et Chelsea va rester 3ème dans tous les cas de figure, quoi qu'il arrive. Manchester United est juste derrière nous à 1 point, mais ils ont un match d'avance. Les Spurs, on les a mis à 11 points derrière nous. Donc, ça, c'est la très très bonne opération. C'est nickel. Voilà. Pour ce petit rapport d'équipe, le classement, etc. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode avec les Wolves. On arrive bientôt en fin de saison. Ah oui, j'ai pas regardé, c'est notre adversaire, on savait que c'était la Lazio. Franchement, sur les adversaires qu'on pouvait avoir, on s'en sort pas trop mal avec la Lazio pour les quarts de finale. Bon, ça aurait pu être plus facile avec Hoffenheim, mais là, il reste quand même Valence, Manchester United, RBL contre Betis Séville, Milan AC Hoffenheim, et puis bah, nous contre la Lazio. Il y a moyen de la gagner. Vraiment, vraiment, il y a moyen de la gagner, cette Europa League. Donc, on va tout faire pour. Et puis après, bah, il reste un mois. Il reste 4, 5, 6, 7. 7 journées de la fin. Bah oui, forcément, on est à la 31e journée. Donc, c'est logique. Mais là, il reste des gros matchs. Hein. Chelsea, Manchester United, Arsenal là. Alors là, je vous explique. Hein. Le Chelsea, Manchester United sont derrière nous. Mais ce match-là contre Chelsea, il va être très, très, très important, je pense. Manchester United, ouais, ils sont à un point de nous, donc il va falloir gagner contre eux. C'est dommage qu'on joue plus ni City ni Liverpool. City, on a perdu tous nos matchs contre eux cette année. Bon, voilà pour la fin de cet épisode. J'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, les escrocs. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de notre aventure avec les Wolves. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Flo, Nox, aux manettes.